Hello, hello, hello et bienvenue à Getting Real with Paula. Mon nom est Paula Alphonse et ce soir, nous parlons de l'anémie falciforme. Pour vous faire une petite introduction sur ce qu'est l'anémie falciforme, on va vous jouer un petit vidéo, puis ensuite on va commencer notre conversation. L'anémie falciforme, c'est une maladie génétique des globules rouges qui sont déformés et ça bloque les vaisseaux sanguins et ça fait mal. Je dois avoir une transfusion de sang au moins une fois par mois. C'est très important d'aller donner du sang à Emma Québec parce que moi, j'en ai besoin. Moi, je cours vraiment vite de où est-ce que je sors de la récré jusqu'au ballon-bois. Sauf que je me fatigue très, très rapidement. Cause que je manque d'oxygène. Merci à tous ceux qui donnent du sang parce que ça aide les gens comme moi qui font de l'anémie falciforme. Alors, merci beaucoup! Donc, bonsoir et bienvenue à nouveau. Et on va commencer la conversation tout de suite. Aujourd'hui, pour notre conversation, j'ai Stanley et Jacinthe à qui je demanderai de se présenter et quel est leur lien avec l'anémie falciforme. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci de me recevoir ici à Getting Real with Paula, c'est ça? Et donc, c'est ça. Donc, mon nom, c'est Jacinthe. Donc, en fait, je suis infirmière clinicienne de profession. Et la vidéo que vous venez de regarder, c'est ma jolie petite fille Naomi, une fille de 10 ans. Elle vit avec l'anémie falciforme. Donc, ça va faire à peu près 9 ans que je sais qu'elle vit avec cette maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est pour vous sensibiliser par rapport à l'anémie falciforme. Puis, ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Oui, bonjour, moi c'est Stanley. En fait, moi je suis un ambassadeur au sujet de l'anémie falciforme avec l'Association de l'anémie falciforme du Québec et aussi avec Emma Québec. C'est ça. OK, thank you. Donc, et en plus, je parle franglais, excusez-moi pour ça. Donc, ce que j'aimerais peut-être que si un de vous est à l'aise de le faire, de nous parler un peu des éléments pertinents de la maladie en termes simples. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça représente? Donc, je vous laisse aller. Hein, je peux y aller. C'est correct, Fanny? Oh, Donc, vas-y. allez. Donc, en fait, l'anémie falciforme, c'est une maladie génétique héréditaire. On peut dire que c'est une maladie qui touche quand même la co communauté noire, mais ça touche aussi d'autres communautés, les communautés mixtes du Moyen-Orient aussi. Comment que ça se transmet en fait, parce que c'est pas une maladie contagieuse, mais comme je disais, génétique. Donc, c'est un parent porte un gène de la maladie et l'autre parent porte un gène de la maladie. Donc, chaque parent donne un gène à l'enfant et c'est ce qui fait que l'enfant a le gène, a l'anémie falciforme. Donc, c'est vraiment, si deux parents sont porteurs du gène, qui sont pas malades, qu'ils ont rien, ils peuvent le donner à leur enfant, qui fait en sorte que l'enfant a la maladie. Puis la maladie, en fait, c'est les globules rouges qui sont déformés. L'hémoglobine est déformée. Elle est faite en forme de banane. Et le fait qu'elle est faite comme ça, elle n'est pas aussi malléable que les autres globules rouges que une personne normale va avoir. Donc, les globules rouges qui sont normaux, ils passent facilement dans les vaisseaux sanguins. Tandis que les globules rouges falciformes, on appelle, mais ils vont coincer au niveau des vaisseaux sanguins, comme Naomi disait au niveau de la vidéo. Donc, quand ils coincent, ça crée vraiment des grosses douleurs parce que le sang ne circule pas. Donc, ça peut bloquer n'importe où, ça peut bloquer dans le cœur, ça peut bloquer dans les jointures, les bras et tout. Ça fait des douleurs intenses. C'est comme une douleur d'une fracture que l'enfant ou l'adulte peut avoir. Donc, c'est ce que ça fait. Puis aussi, ça peut causer d'autres complications aussi. Donc, c'est ça pour l'anémie falciforme. Si l'enfant fait de la fièvre, mais ça peut augmenter aussi les risques d'infection, augmenter les risques d'avoir d'autres globules rouges qui sont déformés.
et les globules rouges vivent au moins longtemps. Puis le fait qu'ils sont déformés, puis qu'il n'y en a pas beaucoup, ça fait en sorte que l'hémoglobine est bas. C'est ce qui fait qu'on appelle ça anémie. T'sais, donc, le taux d'hémoglobine est trop bas. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une anémie falciforme. Merci, merci. Peux-tu nous dire à quel âge Naomi a été diagnostiquée et qu'est-ce que ça implique pour vous deux au quotidien? Ouf! Naomi a été diagnostiquée vraiment sporadiquement là, à 1 an et demi. On allait vraiment juste pour un suivi. Il y a un bruit, excuse-moi. On allait vraiment juste pour un suivi, puis... Le médecin m'a demandé si jamais, si Naomi, s'il y avait de l'anémie falciforme dans ma famille et tout. Puis il n'y en avait pas vraiment. Si j'avais un cousin qui avait l'anémie falciforme, puis j'ai un autre cousin qui en est décédé, mais c'est tout. Tu sais, je n'avais pas entendu parler de cette maladie plus que ça. Puis ma mère ne savait pas que j'étais porteuse du gène non plus. Moi non plus, je ne savais pas. Donc c'est ce qui fait que. C'était une surprise pour moi quand que j'ai su que Naomi avait l'anémie falciforme. Parce que le médecin m'avait dit, étant donné que je n'étais pas porteuse du gène, parce que je pensais que je ne l'étais pas, que Naomi allait peut-être être juste porteuse et non avoir la maladie. Donc là, finalement, ben, dans notre grande surprise, elle avait la maladie, puis elle faisait de l'anémie falciforme. Puis là, du jour au lendemain, ben, notre vie a changé. C'est sûr qu'elle avait quelques petits symptômes qu'on n'avait pas vraiment remarqués. Mais avec le temps, ben, ça a occasionné des hospitalisations parce que là, les traitements sont un peu plus poussés. Si elle fait de la fièvre, mais c'est pas comme les autres enfants où est-ce que tu donnes juste des Tylenol puis on attend que ça passe. C'est comme dès qu'elle va, elle fait de la fièvre, ben, faut aller à l'hôpital. Et pour qu'elle puisse prendre un antibiotique. Donc, automatiquement, quand un enfant fait de la fièvre, on sait qu'à la maternelle, à la garderie, ils font souvent de la fièvre. Donc, ça arrivait quand même 3-4 fois par année au début. Mais là, depuis 2 ans, Naomi, les hospitalisations ont vraiment augmenté. Je peux dire que les hospitalisations, quand que... On a eu des événements marquants comme quand ma mère est décédée, un déménagement il y a 2 ans, on peut dire 3 ans. Donc, ça a fait en sorte qu'on dirait les crises ont augmenté dans des moments de stress. Okay. Donc, pour Naomi, c'était des hospitalisations pour des crises de douleur en vieillissant. C'est beaucoup plus la douleur. Et quand c'est de la douleur, ben c'est des hospitalisations d'une semaine. Puis elle a commencé à recevoir du sang il y a à peu près en 2018. Parce qu'elle avait 2 ans. Ouais, elle avait eu un gros infarctus du bassin, donc les globules rouges qui étaient bloqués au niveau de son bassin. Puis ça a fait en sorte qu'elle n'était pas soulagée, elle recevait de la morphine, du dilodide. Elle a reçu, ça, c'est des narcotiques. Des médicaments. Narcotiques opiacés, là, qui sont quand même assez forts. Puis, elle a reçu des anesthésions aussi, tellement que la douleur était forte. Là. Les anesthésions, comme les femmes enceintes reçoivent, là. Elle reçoit en continu, en tout temps. Puis, c'est comme ça que ça a été soulagé. Donc, ça a vraiment changé notre vie. Ça a vraiment impacté notre vie. Puis, c'est quelque chose qui demande beaucoup au niveau émotionnel, au niveau du travail. C'est beaucoup plus difficile d'être stable au travail. Ça change vraiment une vie, même au niveau scolaire, pour elle, c'est plus difficile parce qu'elle doit tout le temps rattraper. Mais par la grâce de Dieu, Naomi se débrouille quand même très bien à l'école. Mais c'est quand même beaucoup de rattrapage pour elle. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour elle, c'est très demandant pour elle. Puis, il faut la soutenir beaucoup à tous les jours pour qu'elle garde le moral. J'entends ce que tu me dis, puis on parle de la charge scolaire et tout ce qui suit. Ma question aussi, que je me pose, c'est que, point de vue activité sociale, point de vue, est-ce que je peux aller dormir chez mes amis, est-ce que je peux aller jouer au parc, ça change toute une routine pour l'enfant en tant que tel. Oui, oui. Surtout, par exemple, les activités qui impliquent la piscine, par exemple. Donc, quand elle fait des activités pour, tu sais, qu'elle doit aller à la plage, c'est des moments où est-ce qu'elle a plus souvent des crises parce que le froid, ben, ça va faire des vasoconstrictions. Donc, ça va comme fermer les vaisseaux.
puis ça va faire en sorte qu'elle a plus de crises. Donc, c'est sûr que, tu sais, des fois, ça, je peux donner des instructions, mais c'est plus difficile pour elle en revenant. Donc, j'ai développé une habitude de faire peut-être une prévention, lui donner peut-être un Tylenol, un Advil avant pour qu'elle puisse faire ses activités comme les autres. Mais sinon, c'est un peu plus difficile pour elle de... Tu sais, elle n'aime pas nécessairement en parler tout le temps, de dire qu'elle vient tout ça. Mais j'essaie de... Dès que je l'envoie quelque part, je l'envoie quelque part. Je lui donne sa petite trousse si jamais elle en a besoin. Puis, j'essaie de m'arranger qu'elle puisse vivre du mieux qu'elle peut sa vie comme tout le monde. Et moi, c'est ce que je peux faire. C'est pas de dire, OK, elle est malade. Je suis pas du genre à la chapeauter puis dire, OK, j'ai peur, je veux pas qu'elle y aille. Mais si je vois que ça peut être dangereux, là, je l'emmènerai pas. Mais j'essaie de la faire participer aux activités le plus possible. Donc, parce que, comme on dit, c'est quelque chose avec lequel elle doit vivre au quotidien. Donc, comment je gère mon quotidien? C'est à peu près ce que ça devient. Exactement. Ça demande un peu plus de réflexion pour le type d'activité. Dans le vidéo, elle mentionnait qu'elle peut courir vite, mais elle court pas longtemps. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant qu'elle comprenne vraiment bien sa maladie, mais aussi qu'elle prenne le temps de se l'approprier, si on peut l'expliquer comme ça. Parce que il y en a qui veulent faire semblant, puis que tout est beau, puis c'est là qu'ils ont de plus et plus de difficultés. Ça. Mais il y a aussi le fait que Naomi, tu sais, elle faisait du cheerleading et de la gymnastique. Mm-hmm. Donc, elle a fait ça jusqu'à la grosse crise qu'elle a eue en 2018. Donc, moi, je l'ai toujours mis, je l'ai fait prendre ses cours de natation jusqu'à première année. Donc, elle a appris à la nager. Même si elle faisait de l'anémie falciforme, Naomi a fait de la natation, elle a fait de la gymnastique, elle a fait du cheerleading, puis les crises étaient beaucoup moins élevées à ce moment-là. Quand elle faisait du sport puis qu'elle bougeait. Donc là, dernièrement, Naomi a recommencé. On fait de la kinésithérapie. Donc, elle a un kinésiologue. Elle fait du sport, puis on s'entraîne ensemble avec des thérapeutes. Ça fait en sorte qu'elle puisse bouger. Puis moi, je trouve qu'au niveau des crises, ça diminue beaucoup les crises parce qu'elle renforce aussi les muscles puis les os. Puis ça fait qu'aussi, elle a plus de circulation du sang. De souplesse. Donc, c'est très important aussi. C'est pas parce que l'enfant a la maladie qu'on l'empêche de faire des activités. Il faut au contraire apprendre à vivre pleinement sa vie malgré peu importe la situation. Mm-hmm. Ouais. Merci, merci. Sané, tu as mentionné un peu plus tôt que tu es ambassadeur auprès de l'Association de l'anémie falciforme du Québec. Qu'est-ce que cela implique de façon régulière? Là, peux-tu nous donner des détails? En fait, qu'est-ce que moi je fais exactement étant qu'ambassadeur? C'est j'organise des collectes de sang à chaque 2 mois. Je cherche des sponsors, du moins, qui peuvent nous donner soit de l'argent ou des choses pour donner au monde qui vient donner du sang, etc. Je fais des appels aussi, je fais du porte-à-porte pour solliciter le besoin et faire le monde savoir exactement qu'est-ce qui est la maladie, en fait, parce que, vous savez, c'est une maladie qui est pas mal taboue. Le monde connaît le nom, mais ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est vraiment. Fait que j'ai un travail à faire à ce sujet pour sensibiliser le monde et les faire comprendre l'importance de leur action à chaque fois qu'ils rentrent avec moi à soit faire un don ou soit venir donner de l'argent, peu importe. Ça demande un investissement de combien de temps, que ce soit par semaine ou quoi que ce soit, parce que la collecte de sang, tu ne l'organises pas la veille. Là. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une activité à faire. Là. Oui, comme là, le 26 juin, il y a une collecte de sang qu'on organise au sujet pour la journée de la nuit falciforme, c'est le 19 juin, si je ne me trompe pas. Alors pour le mois de juin, c'est un mois qui est très important pour nous parce que ça c'est l'anniversaire, on va dire, de cette maladie à travers le monde, en fait, quoi. Puis à cause de ça, moi, je dois trouver du monde pour venir donner du sang avec moi, vous voyez. Fait que je dois appeler du monde, texter du monde, faire des publicités sur les réseaux sociaux, etc. Fait, quand on parle de temps, environ 10 heures par semaine, environ, de temps que je dois consacrer
10 à 15 heures que je dois consacrer pour faire la sollicitation puis préparer l'événement qui s'en vient, tout simplement. J'aime ça parce que tu parles de l'événement qui s'en vient, il y a tout simplement. Et j'ai travaillé un peu dans le contexte de sollicitation et organisation des événements. Et comme on dit, tout le processus lui-même est assez intense, là. Tu donnes l'impression, c'est quelques petits textos que j'envoie, là. Mais trouver du parrainage et s'assurer des suivis à travers tout le processus et durant l'événement, des fois même après l'événement, mais c'est quand même une charge de travail là, parce que il me semble, si je me trompe pas, dans certaines situations, vous devez coordonner aussi les déplacements des volontaires, donc c'est du travail. Dans le passé, c'était plus complexe à cause que dans le passé, on pouvait déplacer l'autobus de Emma Québec à un certain endroit et faire les collectes de sang. Mais aujourd'hui, avec le COVID, c'est un peu difficile, c'est par rendez-vous. Du fait que c'est par rendez-vous, c'est plus pour moi, c'est plus facile de classifier le monde. Voilà à telle heure que toi, tu dois venir, voilà à telle heure que tu dois venir, tu vois. C'est plus simple maintenant, mais à force de le faire, on commence à avoir des techniques et des habitudes pour que ça soit plus facile et plus fluide pour la personne qui le fait, tu vois. Fait que samedi dernier, on a fait une collecte, puis ça s'est bien déroulé. On a occupé les deux globules, lui à Laval et lui à Montréal. Les globules, c'est les centres de collecte de sang. Puis on a réussi à avoir 40 donneurs, avec 20 dans chaque globule, en fin de compte. Et j'ai trouvé un sponsor qui nous a donné des boîtes à lunch, puis tout ça, tu vois, pour encourager le monde après avoir donné le don, un bon repas. C'est ça, comme je dis, on essaie de faire des choses pour encourager le monde à donner, puis surtout c'est les faire voir l'importance de pourquoi ils font l'action, tout simplement. Le don qu'ils font en tant que Voilà, tel, voilà, voilà. comment ça change des vies à ce Voilà. niveau-là. Question rapide, comment est-ce que vos chemins se sont croisés, toi et Naomi et sa mère, là? Je pense que En c'est fait, à quand... Vas-y. Mais c'était pas à travers, moi je peux dire c'était à travers de l'association La Nuit Falciforme à participer au symposium. C'est ça? Non, je pense qu'on s'est connus avant. Il y avait un événement sur Zoom, puis là, événement sur Zoom, puis j'ai vu Jacinthe qui était là, puis on a commencé à se donner des blagues là. Puis ça a commencé comme ça. Puis coïncidemment, il y avait eu la publicité qui préparait par Emma Québec pour les Noirs. Puis coïncidemment, j'ai été sélectionné, puis sa fille aussi. Puis à partir de là, on a cliqué, genre. Ouais, puis je pense que Naomi, elle était. Moi, j'avais demandé parce que à chaque année, l'association de l'anémie falciforme, ils font un symposium sur l'anémie falciforme. Puis moi, j'ai demandé spécifiquement à Naomi d'assister parce que l'anémie falciforme la concerne. Puis moi, je pense que c'est important pour les gens d'apprendre à connaître sur la maladie parce que la maladie la génétique la plus répandue dans le monde. Donc, les gens pensent que c'est une maladie rare, mais c'est comme la première maladie génétique. Donc, j'ai demandé à Naomi de m'assister à la rencontre. Puis, c'est comme ça que Naomi a été sélectionnée parce qu'ils ont vu qu'elle était dynamique, elle participait, elle voulait poser des questions et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont choisie. Puis, elle a dit qu'elle voulait faire la Elle a vidéo. aimé les... Ouais. En tout cas, elle paraît très bien sur le petit vidéo, là. Et pas simplement dans un contexte de, comme on dit, que l'apparence est belle, mais le message et l'énergie qu'elle dégage étaient très évidents. Je poserai la question par rapport à, comme on dit, comment est-ce que la maladie est perçue dans la communauté, dans vos communautés et vos environnements respectifs? Quand on parle d'anémie falciforme, est-ce qu'on parle même d'anémie falciforme? Tu veux commencer? Non? Vas-y. Mais pour moi, tu vois, moi, la maladie falciforme, moi, je le connaissais pas. Pourquoi? Parce que je l'ai pas. J'ai personne alentour de moi qui l'avait. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une de mes amies que je suis proche avec elle, etc. Puis elle m'avait même pas dit qu'elle était malade. Puis un jour, elle a eu une crise de douleur à ma présence. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? Je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire, whatever. Fait qu'elle m'a demandé de
elle pouvait plus marcher. Fait que j'ai dû la soulever, l'amener dans la voiture et l'amener à un hôpital précis. Parce qu'elle m'a dit, si elle ne va pas dans cet hôpital-là, les autres hôpitaux ne vont pas pouvoir l'aider, etc. Et lorsque je me suis rendu à l'hôpital, j'ai posé des questions. On dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Etc. Là, ils m'ont expliqué la nuit falciforme. Puis j'ai eu les détails. Puis ça m'a intéressé parce que le monsieur disait que c'est une maladie qui est génétique, puis c'est souvent les personnes afro-africaines qui l'a, etc. Puis là, je suis comme, wow, c'est étonnant. Puis là, j'ai demandé, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Puis là, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a rien. La seule façon vraiment pour aider, pour soulager la douleur, c'est des transfusions sanguines. Puis là, je me suis informé pour voir si moi, je pouvais le faire. Puis ils m'ont dit, oui, toi, tu es en santé, tu serais un cobaye positif pour donner. Du sang, etc. Donc, à partir de là, j'ai pris des informations, j'ai rencontré M. Sanon, puis lui m'a donné plus d'informations, il m'a donné un bon bagage pour pouvoir connaître exactement qu'est-ce que je dois dire au monde, qu'est-ce qui est la maladie, etc. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à faire des collectes de sang pour donner du sang à ce moment-là. C'est ça. Tu m'en... Ah, excuse. Vas-y, vas-y. J'allais donner un brief de mon côté, comment que ça se passe, c'est que les gens, en réalité, ils ne sont pas informés, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. Ils pensent que c'est vraiment une anémie simple comme les autres anémies, comme, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de notre communauté, il y a beaucoup d'anémies fériprives. Donc, les gens vont le mélanger, vont dire, ah, oh, moi aussi, je fais de l'anémie, mais c'est vraiment pas la même sorte d'anémie, c'est vraiment une déformation des globules rouges et c'est génétique. Tandis que, donc c'est ça. Puis les gens ne veulent pas nécessairement parler ou ils vont se dire, ben, je ne suis pas malade, j'ai rien. Donc, les gens ne s'informent pas plus parce qu'ils disent que, étant donné qu'ils n'ont pas la maladie puis qu'ils n'ont pas de symptômes, ben, pour eux autres, ça signifie pas grand-chose. T'sais, les gens ne sont pas intéressés à savoir. Et c'est vraiment quand qu'ils arrivent puis qu'ils ont un enfant avec la maladie, ben soit ils le cachent. Beaucoup de personnes ont la difficulté à en discuter ou à en parler. Donc, c'est ce qui est plus difficile par rapport à cette maladie parce que c'est une maladie qui est vraiment isolée. Les personnes qui vivent avec sont très résilientes. Donc, ils gardent ça pour eux, puis ils veulent pas montrer qu'ils sont malades non plus. Donc, c'est pas quelque chose que notre communauté aime parler. L'idée de donner du sang aussi, c'est très tabou. Ça fait partie de l'âme, donc au niveau religieux, même si les gens sont pas, tu sais, c'est sûr qu'ils vont cibler C'est moi les je vois. témoins de Jéhovah, mais si on regarde au niveau général, c'est quand même dans la Bible, c'est marqué le sang, c'est l'âme, donc les gens vont pas vouloir donner du sang par rapport à ça aussi, parce que bibliquement, ils sont pas à l'aise non plus. Donc c'est ça, donc c'est quelque chose de tabou, puis les gens cachent, puis la résilience. Pour Je trouve moi, ça. Vas-y, allez-y. Stanley. Parce que pour moi, j'ai oublié de vous dire, t'sais, moi, les personnes autour de moi, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'avaient autour de moi, fait que c'était un peu nouveau. Mais lorsque j'ai commencé à informer et commencé à en parler, l'engouement a commencé à augmenter aussi. Pourquoi? C'est à cause que le monde a remarqué le besoin. Parce que si on voit, il y a moins de 1% de personnes afro qui donnent du sang, au Québec, qui veut dire que le besoin, il est là. Tandis qu'il faut 120 donneurs pour une seule personne atteinte d'anémie falciforme. Fait que ça fait beaucoup de dons de sang qu'on a besoin, malgré le bas taux de donneurs qu'on a, tout simplement, tu vois. Fait que quand on commence à parler de choses comme ça, des choses concrètes comme ça, l'intérêt embarque aussi. Et là, je sais pas la statistique, elle est rendue à combien, mais depuis ces derniers mois, il y a de plus en plus de personnes qui donnent du sang. Fait que l'engouement, elle est là maintenant, présentement. Elle n'est pas comme on veut, mais il y a une certaine augmentation. Pour moi, je pense c'est l'ignorance qui a fait en sorte qu'il n'y avait pas autant d'engouement. Mais l'ignorance vient aussi à cause, comme que Jacin dit, c'est que le monde n'en parle pas. Le monde atteint de la maladie. Comme moi, mon ami, je n'aurais jamais su qu'elle serait malade si ce n'est pas une crise qu'elle a eue en ma présence. Fait que le monde qui l'a n'en parle pas. Fait qu'à cause de ça, ils sont pénalisés à cause de ça.
Je te disais que je trouvais ça intéressant parce que moi, je me rappelle, une de mes filles a été malade aux alentours de 2 mois, puis on a dû l'hospitaliser. Puis une des premières choses qu'ils ont fait là-bas, c'est te dire, bon, OK, il va falloir qu'on fasse différents tests. Et une des premières questions qu'ils avaient posées, c'était l'anémie falciforme. Et comme bien d'autres gens, je dis non, on n'a rien de tel dans notre famille. Puis mon conjoint qui était à ce moment-là, il était en train de stationner la voiture, pas de commentaire, on revient. Puis finalement, dans sa famille, il y avait de l'anémie falciforme. Donc là, tu te retrouves avec, j'ai une de mes filles qui est porteuse, mais elle n'a pas la maladie. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle fait peut-être plus souvent d'infections. Elle est plus sujette à des types d'infections respiratoires et tout ça que les autres. Mais c'est des petites choses. Mais une fois que tu le sais, c'est la partie, ben, comment tu travailles avec cette information-là. Donc là, maintenant que, en tout cas, moi, à partir du moment où je le savais, si on me parlait d'anémie, quel genre d'anémie? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, tu sais, il y a comment dire, aller chercher l'information aussi. Mais comme tu dis, si c'est même pas des sujets dont on parle, tu as commencé la conversation, Jacinthe, en mentionnant que tu avais un cousin, tu avais 2 cousins, peut-être des cousins éloignés. On sait qu'il est arrivé quelque chose, mais on n'a jamais clarifié, ben, ce que c'était. Puis c'est ce qui est dommage, parce que si on met pas les noms sur les situations, c'est difficile de permettre aux gens de réaliser, ben, quelles sont les options qui existent et comment on peut gérer ces maladies-là. Si je vous demandais la question, quel est le message spécifique que chacun de vous aimerait passer à notre auditoire aujourd'hui? Ce serait quoi le message? Tu vois? Ben moi, de mon côté, c'est vraiment pour les personnes qui vivent avec l'anémie falciforme, c'est vraiment de vivre la vie pleinement, d'essayer de pas se décourager, vraiment d'être bien entouré des gens qui vous aiment, puis des gens qui sont là pour vous supporter. Et l'enfant qui vit, tu sais, si on a un enfant avec l'anémie falciforme, de lui donner tous les outils nécessaires vraiment pour qu'elle passe à travers, mais d'être capable de faire l'enfant verbaliser et tout. Au niveau de la communauté, au niveau de la famille élargie, de mon côté, ça serait vraiment de s'assurer que les gens s'informent à propos de la maladie, puis qu'ils ne restent pas dans l'ignorance, parce que ça permet de faire des choix beaucoup plus judicieux. Parce que si on retourne un petit peu en arrière sur ce qu'on disait par rapport à la communauté, tu sais, au niveau, le fait qu'on n'en parle pas fait en sorte que même au niveau des dons, c'est beaucoup plus diminué. Puis si je regarde au niveau de la fibrose kystique, ils ont un tiers de, moi j'aime prendre cet exemple-là, hein, ils ont un tiers de moins, ils sont un tiers de moins que les anémies falciformes. Par contre, ils reçoivent 7 fois plus de dons, 7 à 10 fois plus de dons que les gens qui vivent avec l'anémie falciforme. Donc, c'est important d'en parler. Pour que aussi on nous prenne plus au sérieux au niveau de la recherche et toutes ces choses-là. Donc, moi, je pense que c'est important de ne pas rester ignorant. Une personne sur 10 est porteur. Un noir sur 10 est porteur de l'anémie falciforme aussi. Donc, c'est quand même beaucoup, une personne sur 10. Donc, même si on n'a pas la maladie, mais on est porteur du gène, mais nos enfants peuvent avoir la maladie, ou même les métisses. Donc, c'est très important de s'informer puis de pas rester ignorant, de pas attendre que, exemple, ça nous arrive sporadiquement, puis que c'est là maintenant qu'on s'intéresse. Merci. De ton côté, Stanley? De mon côté, moi, je vais aller aux côtés des donneurs ou des futurs donneurs. Le don de sang, c'est quelque chose qui prend 45 minutes de ton temps dans une journée. Lorsque tu es branché pour donner ton sang, ça prend 5 à 10 minutes de donner le sang que tu as besoin de donner pour sauver une autre personne. C'est une action, une bonne action qui est très simple, qui est gratuite et surtout qui fait du bien à la personne qui va le recevoir. Mon ami me disait souvent, lorsqu'elle reçoit du sang, l'énergie qu'elle reçoit est tellement extraordinaire. Puis elle dit, wow, Stan, c'est cette énergie-là que tu as sur toi à chaque jour. Parce que le monde qui se trouve dans l'anémie falciforme, ils sont souvent fatigués, ils ont des faiblesses et tout ça.
Puis elle disait, si elle pouvait, elle prendrait du sang chaque semaine pour avoir de l'énergie, tu vois. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'importance de votre action change tellement la vie de d'autres personnes, puis donne aussi cette personne-là de l'espoir de continuer à vivre. Alors, mon message que je veux dire à tout le monde, c'est de continuer à faire cette action-là et de chercher d'autres personnes, parce que moi, je pense d'oreille à oreille, de bouche à oreille, c'est plus beau qu'une publicité dans la télé, vous voyez. Fait que plus qu'on cherche à trouver d'autres personnes à donner du sang, ou même faire des... Il y a du monde qui ne peut pas donner du sang, mais il peut faire des dons aussi à l'organisation. C'est ça qu'on a besoin. Parce que comme Jacinthe a dit, il y a pas de recherche. Il n'y a rien qui se fait vraiment, contrairement aux autres maladies, qu'ils ont moins de monde qui sont atteints des maladies. Fait que une maladie qui est pour nous, je peux pas dire pour nous, mais qui est centrée envers les personnes africaines, c'est important que nous, on fait notre action pour montrer qu'on a de l'intérêt. Et peut-être à ce moment-là, il va y avoir un changement qui va se faire, soit par le gouvernement, soit par les chercheurs, ou peu importe. À chaque fois que l'homme s'est mis ensemble pour faire une action, il y a toujours un résultat. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, je vous demande qu'on se mette ensemble pour cette situation-là qui nous appartient, pour qu'on puisse faire un changement pour le futur, soit pour nos enfants, ou soit pour vos enfants, parce qu'on ne le sait jamais. Merci. On va écouter un deuxième vidéo juste pour, comme on dit, bien ancrer le point, puis ensuite on vous revient avec une dernière question. Lorsque mon amie a eu sa crise d'anémie falciforme, elle pouvait pas marcher, elle pouvait pas se déplacer. C'est plus un sentiment d'impuissance que tu ressens à ce moment-là. Puis quand on m'a dit la seule façon d'aider vraiment, c'est les transferts de sang. Puis moi, je suis un gars qui est en santé. Voilà la solution. Tu donnes du sang, puis t'aides ton prochain. J'avais hâte d'avoir 18 ans pour deux raisons, pour voter et donner du sang. Je trouve que c'est important de donner l'exemple, de montrer à mes frères c'est quoi être une bonne personne, un bon citoyen. En tant qu'haïtienne et noire, c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup, maintenant un peu plus. Donc moi, je dis, ben, je vais donner du sang, de vous en parler, parce que je trouve que c'est vraiment important. Le fait qu'il n'y a rien pour pouvoir le guérir en tant que tel, tu peux pas aller à la pharmacie puis juste prendre une pilule qui fait que ça s'enlève. C'est pour ça que je me dis c'est important. Plus que ton bagage génétique ressemble à les personnes qui sont atteintes d'anémie falciforme, ils sont plus faciles à recevoir ton sang. Et c'est pour cette raison-là que c'est important que les personnes afro, haïtiens, africains, jamaïcains, puissent donner du sang. Sur le drapeau haïtien, on a un dicton qui nous dit « l'union fait la force ». C'est pour ça que moi, j'ai tenté à aller faire des dons, parce qu'un don peut sauver plusieurs vies. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est une excuse. C'est un mal qui vaut peut-être une heure de ta journée, mais ça peut sauver une vie quand même. T'as juste besoin d'une personne qui en parle à une autre personne qui en parle à une autre personne. Ça va juste comme inciter les gens à donner du sang. Dans le sang, il y a la vie. Lorsque tu donnes du sang, tu donnes la vie à une autre personne. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore compris ce qu'on essayait de passer comme message, allez chercher plus d'informations sur l'anémie falciforme, ça c'est un. Et deuxièmement, allez donner du sang. Amenez vos amis, amenez votre famille, allez donner du sang. Et qui sait, dépendant où est-ce que vous irez, il y aura peut-être des petits cadeaux, des petites gâteries à la fin du processus. Mais plus que ça, c'est vraiment de réaliser, c'est s'aider nous-mêmes en tant que communauté pour s'assurer comme on dit, de la survie de nos enfants, des générations futures, pour qu'ils puissent profiter de la vie autant que toutes ces choses que nous prenons pour acquis quand on est en bonne santé. Dernière question que je vous pose, j'avais promis que c'était la dernière. Si qui que ce soit veut en apprendre plus sur la maladie, et comment contribuer personnellement, vers où et comment ils peuvent s'informer. Moi, sur ma page Facebook, tu sais, ça m'arrive souvent plus sur Instagram, j'en parle quand même sur Clinique Evelard. J'aime bien parler de temps en temps. Des fois, je raconte un peu mon histoire par rapport à l'anémie falciforme. Puis oui, je vais continuer. J'en parle un peu moins ces derniers temps, mais je vais continuer à en parler. Donc, moi, j'aime beaucoup en discuter. Il y a l'association de l'anémie falciforme aussi, qui est l'association
de la Nymphasiforme. Donc, sur leur site Internet, vous allez trouver des informations. Aussi, il y a souvent des activités qu'ils font, comme le symposium, c'est un moment où est-ce qu'ils parlent beaucoup de la Nymphasiforme. Le 26 juin, je ne sais pas s'il y a un gala. Est-ce qu'ils font encore cette année? Le 19 juin? Ce n'est pas encore confirmé encore. Ça devrait se faire, mais ce n'est pas encore confirmé encore à cause de la COVID encore. Oui. Donc, c'est ça. À chaque année, habituellement, ils font un gala. Même le symposium, habituellement, c'est sur place. Donc, cette année, on l'a fait en ligne. Puis, c'est ça. Donc, ben Stanley, lui, sur sa page Facebook, Instagram encore, il parle beaucoup du don de sang, la Nymphasiforme. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, en fait, si je comprends bien, vas-y, Stanley. Pour le Québec, c'est l'Association de la Nymphasiforme du Québec. Et pour le reste du Canada, c'est l'association de l'anémie falciforme du Canada. Vous voyez, lui du Québec, il est dirigé par Wilson Sanon, c'est le président de l'association. Et pour du Canada, c'est Biba Tinga qui est le président de l'association de l'anémie falciforme du Canada. Alors, tout dépendant où vous êtes au Canada ou au Québec, il va falloir vous aller dans la bonne endroit pour avoir les bonnes informations à ce moment-là. Ce que je mentionnerai à qui que ce soit qui écoute ce soir, deux choses à retenir. Anémie falciforme, petite recherche Google vous permet de valider qui sont les joueurs dans ce dossier. Donc, l'association d'anémie falciforme, en anglais, ce serait sickle cell anemia. Donc, encore, je fais en la français, petite recherche et on aussi. Trouve... En français aussi, un autre nom, ça s'appelle drépanocytose. Voilà. c'est les deux mots. L'anémie falciforme est peut-être celui qui est le plus connu en tant que tel. Et finalement, je vous dirais, pour nous qui sommes au Québec, Emma Québec est aussi une autre source d'information. Où vous pourrez voir ces détails-là. Mais ce que je vous, comment dire, maintenant qu'on a à peu près tous des téléphones intelligents, comme vous voyez nos invités le faire, allez faire cette petite recherche et renseignez-vous et amenez d'autres gens avec vous. Éduquez tranquillement les gens autour de vous pour qu'ils réalisent qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des tabous autour de la maladie, parce que si on ne sait pas, on ne peut vous aider. Donc, c'est vraiment ouvrir les portes pour que l'aide puisse venir jusqu'à vous. Et j'ai vu et j'ai entendu parler de trop d'enfants qui sont décédés tout simplement parce qu'on n'a pas fait les suivis ou qu'on s'était dit tout simplement que « Oh, c'est pas si grave que ça ». Donc, quand un enfant se plaint tout le temps de douleur, il y a un problème sous-jacent. Donc, ça vaut la peine d'aller valider et de voir votre médecin pour vérifier. Est-ce qu'il y a des choses dont je ne suis pas au courant, mais qui pourraient faire une différence dans la vie de mes enfants, de mes neveux, de mes amis? Donc, prenez note de cela. Sur ce, je vous dis un gros merci à Stanley et à Jacinthe. Ce fut bien agréable et comme on dit, si vous gagnez de nouveaux gens sur Instagram, continuez à parler et laissez-leur savoir participer, que ce soit à des collectes de sang ou d'autres activités qui s'en viennent dans les prochains mois. Je vais vous dire merci pour l'invitation aujourd'hui. Puis je vous donne un gros merci à Emma Québec, à Naderge Sénestan qui est souvent là avec nous pour nous aider dans les programmes. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde qui était là sur le live aujourd'hui aussi. Apparemment, merci pour nous avoir invités ce soir. Ça m'a fait un grand plaisir d'être là. Merci.